Coucou mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct, mais pas de la découverte. Pour cette 1794e au lieu de merde, avec non pas un jeu kinétique première ligue du toutou, mais d'une carte mémoire. Donc c'est la carte mémoire de la PS1, l'officiel, donc start tous ensemble. Et là on va voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Alors l'intérêt, alors je passe par la PS2 simplement 2, j'aurais dû faire sur une vraie PS1, mais j'ai de la flemme de la chercher. Donc en fait on va effacer pour laisser de la place. Vous voyez, Knockout Kings Barbie, donc je l'ai bien utilisé. Donc là on fait option, on fait entrée et on va faire effacer, supprimer. Ouais. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu Mou Tai. Ça je sais pas ce que c'est comme jeu, je vais regarder. Ça me dit rien du tout. Un jeu que j'aurais fini à 99%, vous me connaissez mal. Donc on va effacer. Merci. Sauf à chaque fois, il faut appuyer sur. Alors là, c'est pareil que sur PS4, ils ont gardé. Quand on fait X supprimer, on dit oui. Et en fait, on reste sur cette page. On est obligé de faire rond précédent. Donc live, ça doit être le jeu de basket. Ouais, NBA live, je sais pas combien, donc ça enlève. Et donc tout ça sera pour m'amener à Pou Party. Ça c'est le jeu avec comment il s'appelle, Winnie l'ourson, je pense. Donc on va faire supprimer. Et ça va me permettre de, quand je vous ferai d'autres jeux sur PS1. Alors là c'est Resident Evil 3, non c'est ça, Euro 3. Vous pourrez mettre plus d'infos quand même hein, sur. Je vois pas, oui on va le garder. Mayhem, ça c'était ma partie. Mon personnage que j'avais dû enregistrer, ça prend combien de places? 8 KO. Tout est 8 KO, tout est 8 à côté. Et Elmo, ça c'est pareil, VC2 simplement 2. Et Knockout Kings, pourquoi je m'étais fait un truc? Parce que le jeu m'avait gonflé, donc là c'est pareil, on va hop. Voilà, donc là maintenant c'était pour vous montrer un petit peu une carte mémoire. Ouais, ça c'est la carte mémoire PS2 simplement 2. Alors le truc super avec cette carte, oui tant qu'à faire, on va faire deux en un, on va faire une carte mémoire officielle PS1 et une carte mémoire officielle PS2 simplement 2. Donc là c'est les jeux que j'avais testés. Et donc voilà, vous voyez du Raging Blades à MX Rider à Prism, avec Jojo, Zangle, Disney, Chicken Little. Alors savoir que j'ai beaucoup d'émotions, franchement, Monsieur Bourdin pour la dernière. Parce que là, en fait, j'avais tous mes trucs de Mortal Kombat, Deadly Alliance, Mortal Kombat Armageddon. Et quand j'ai testé, c'était un jeu, un beat'em up. Je veux dire beat'em all. Sur PS2, c'était un jeu Konami avec les personnages. Ça pouvait faire penser à comme un côté les Tekken, mais en 3D, là, je sais plus quoi. Et la truc, en fait, ils m'ont tout effacé, ces couillons. Donc ça fait beaucoup beaucoup plaisir tout ça. Et maintenant j'avais des bons jeux dessus et là j'ai que des jeux à la con là, genre The Legend of Dragon, ce truc de merde, ça je vais l'effacer parce que je l'ai revendu cette bouse. C'est tellement, il y a des jeux, ils sont tellement mauvais qu'ils sont même pas marrants à garder. Donc sauf Hacker Slam, ça va, je l'ai gardé. Non, ça aussi c'est nouveau parce que j'avais, mais ça m'a tout effacé. Et du coup ben, voilà quoi. Alors, on va juste vérifier. City Ducks, oui, ça c'est Duck. Evil Twin. On va voir. Il n'y a pas plus d'options, c'est ça qui est un peu dommage. Options. Ouais, on voit ça type de données, mais il n'y a pas plus de. On ne dit pas le jeu, il y a plus que ça. Sur ce, ben, c'était juste pour vous montrer ceci. Et la prochaine, ça sera un vrai jeu. Vu que là maintenant, j'ai libéré de la place pour pouvoir enregistrer des sauvegardes. Sur ce, bah écoutez, une belle vidéo, pas de polémique, que des ondes positives, que du constructif. J'étais vraiment à fond sur le hardware. J'ai utilisé le hardware officiel pour me faire chier, pour me fâcher avec personne, pour ne froisser aucun gamer du cœur de la veule. Je pense que j'avais une voix très douce, très agréable. Voilà, et ciao Pépito, et à plus mes puces.